c'est l'école des fils de Graham. Des fois même, c'est comme la mort, parce qu'il y a même des morts qui réussissent pour entrer. Alors mes frères et sœurs, le 7 octobre, je vous convie à reprendre notre pays. Une femme, même deux. Puis, on va commencer. Où est ce monsieur? Vous avez qu'un diplôme. Licence en droit des affaires. Voilà. Et vous faites quelle affaire? Darcement dans la vie de Douala. Voilà la République que nous avons construite. Une République bizarre où c'est la queue qui bouge le chien. Dès le 7 octobre, c'est le chien qui va bouger la queue. Voilà donc, je suis ici avec plein d'amis, des gens extraordinaires. Quand ils m'ont vu pour me dire qu'ils vont se joindre à moi, j'étais moi-même surpris. Et ils me disent tous, c'est parce qu'on croit que ce que tu dis, c'est sincère. Et ce que je vous dis ici, je vais le faire. J'ai commencé à faire, je vais continuer à le faire, je l'ai fait partout dans le monde, je ferai ça aussi pour mon pays. On ne vous a pas dit ça à la CR TV, on ne vous a pas dit, mais cette année, les Nations Unies voulaient un discours pour dire comment on lutte contre la corruption. C'est moi qu'on a invité. On a demandé à l'Union africaine. Il y a quelqu'un qui n'était pas là, je ne connais pas son nom. C'était en Mauritanie. Même une personne pour parler de l'État de la corruption en Afrique. C'est moi qu'on a parlé. C'est la vraie force de. La vraie force de. Alors j'ai la chance d'avoir les gens avec moi qui ont cette expérience. Il y a le président du Mali, oui, le docteur. Il y a le président du Mali. Il y a le professeur Jean, un grand professeur en France. Il est le chef d'un parti politique qui a décidé de me rejoindre. Il a quitté Paris pour venir ce soir être avec vous. J'en suis fier. Professeur Guinée. Il a décidé de nous rejoindre avec sa jeunesse et sa force. Je vous le dis. Il y a le bulldozer. Le bulldozer. Le bulldozer. Le bulldozer. Le maire de Yabassi. Le 7. Vous allez confier. Et puis,